Holi hola mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un petit blabla rapide, enfin je l'espère, j'en sais rien, j'ai à peine commencé. Alors je vais faire une petite mise au point rapidement parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas suivi mes aventures, enfin bref, et qui me... Donc déjà dans les commentaires des vidéos, j'ai eu notamment des remarques d'une seule... Enfin, c'est pas méchant, hein, mais je me dis oui, bah ça va quoi. Parce que j'ai eu un commentaire et c'est une autre paillette qui a répondu, enfin, une autre bête lui a répondu, mais sans répondre à ma place, elle a répondu à cette personne. Et elle dit, ça aurait été bien que ce soit la personne qui fait la vidéo qui réponde. Bon, ok, bon, j'ai répondu parce que je l'ai vu, vous savez, je vois quand les commentaires arrivent, je les vois sur mes notifications. J'ai lu le début, j'ai dit ok, bon, je vais répondre. Donc déjà, dans un premier temps, je tenais à m'excuser parce que je ne réponds pas à vos commentaires pour le moment. Parce que je suis très occupée. Je prépare un déménagement pour les personnes qui ne seraient pas au courant. Je prépare un déménagement. Donc là, alors le déménagement, il n'est pas prévu tout de suite. Il n'est pas prévu demain, ni dans un mois, ni dans 3 mois. Je l'estime, on va dire... Dans l'espace d'un an, ça devrait être fait. Je pars vivre en Espagne. J'ai le projet de partir m'installer en Espagne. Voilà, dans une maison dans laquelle je dois faire des travaux. Je vide mon appart actuellement. Je le vide, je déblaye, j'épure. Je le vide un maximum pour que ce soit un appart, vous savez, un appart témoin, on va dire ça comme ça. Parce que je vais le mettre en vente. Et que pour le mettre en vente, je voudrais qu'il soit présentable. Logique, hein. Alors, donc, je suis dans les cartons. Alors, je me suis installée ici exprès pour que vous voyez les cartons. Voilà, je suis dans les cartons. Là, c'est rien, j'en ai d'autres là-bas. Donc, pour l'instant, je m'occupe de tout ce qui est matériel de scrapbooking à mettre en carton. Parce que c'est ce qui occupe le plus d'espace chez moi. J'ai un petit appartement de 50 mètres carrés. Dans mon salon, j'ai plusieurs meubles qui sont occupés par le scrapbooking. Ça prend beaucoup de place et ça ne fait pas, voilà, ça fait pas présentable, ça ne fait pas appart témoin pour le mettre en vente. Donc, je suis occupée notamment avec ça, plus le code de la route, puisque je vais passer mon permis. Donc, enfin, d'abord, je n'ai pas fait la conduite encore, je suis dans le code. Mais bon, bref, je me consacre à ça. Et aussi bah, au boulot et puis d'autres choses administratives, notamment voilà, concernant enfin, l'Espagne et l'héritage, etc. Enfin bref, je vous épargne les détails, mais c'est beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à gérer. Donc, mon esprit en ce moment, il n'est pas trop dans le scrapbooking malgré mon envie, mais pressante de m'y remettre. J'espère... Je vais peut-être, une fois que j'aurai bien mis au point les choses là dans mon côté scrap, je m'y remets parce que j'ai très envie de m'y remettre, hein. Et donc forcément je vous filmerai quelques vidéos de mes créations, ça c'est sûr. Pour l'instant je vous dis, je sais pas quand est-ce que je reviens dans le scrap, mais je reviens, c'est sûr, je vous promets. J'ai envie, hein, j'ai très envie sur tout ça, j'ai très envie de me remettre à scraper. Et je pense que la moindre chose que je ferai, je partagerai avec vous. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise de côté plein de belles collections que je souhaite scraper. Parce que j'ai des albums à faire, à rénover. Enfin, j'ai des albums que j'avais fait avec des papiers Action et surtout le double face Action qui a tout dégommé le truc. Il a tout... je vous montrerai le résultat. Et donc ces albums, je souhaite les refaire parce que ce sont des souvenirs que j'ai envie de garder dans des albums. Donc j'ai déjà les collections de côté pour ça. Et puis j'ai plein de photos à scraper. Donc bref, le scrap pour moi, c'est pas fini. Hein, non, non, non. Bien au contraire, hein, j'ai très envie. Et moins j'en fais, plus j'ai envie. Et ça va me donner, voilà, ça va me motiver. À un moment, je vais me dire, bon stop, je fais une pause et je scrap. Ça devrait pas tarder. Donc voilà pour ça. Pareil, les personnes qui m'envoient des messages privés ou des mails,
me posant des questions sur des... je suis désolée, j'essaie de répondre au plus vite, au plus... j'essaie de répondre. Mais je vous avoue que c'est pas évident parce que je les vois pas tout de suite, déjà. Autant sur Messenger et sur donc le Messenger pardon, de le monde de Maggie. Je suis pas connectée tout le temps. Je suis connectée à mon profil personnel, mais pas celui-là. Donc quand je vois normalement un petit point rouge, je vois que j'ai des messages, je me connecte, mais je n'y suis pas tout le temps. Alors je peux voir vos messages un petit peu plus tard. Et ça, bah, je vous présente mes excuses, mais je vous présente mes excuses. Mais en fait, c'est voilà, je ne peux pas y être tout le temps. Je vous dis, pour le moment, c'est pas ma priorité. Et je pense que la plupart d'entre vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas, puisque je reçois des messages. Honnêtement, la personne qui m'a envoyé un message du genre c'est pas normal que tu répondes pas. Tu dis que t'es là pour nous, mais tu réponds pas. En ce moment, malheureusement, non, je ne suis pas là pour vous. J'essaye de l'être, mais je ne suis pas à 100% là pour vous. Et d'ailleurs, en temps normal non plus, on a aussi une vie privée, vous le savez, hein. Même si je suis beaucoup plus dispo en temps normal, enfin en temps de non-déménagement, hein. Et je vous avoue que moi, pour moi, tout ça, bah, c'est que du bonheur, en fait, c'est que du bon, parce que j'ai hâte d'y être, et du coup, bah, voilà, j'ai un malin plaisir à faire tous ces cartons qui me dérangent absolument pas. Alors je retrouve des doublons, ça aussi c'est marrant, donc je vais les mettre à vendre. Pour les ventes, je vous préviens sur le f... sur le f... sur le groupe Facebook. Et pardon. Ensuite, je les mets sur Vinted parce que sur Vinted, c'est beaucoup plus simple de vendre sur Vinted, je trouve. Donc je le mets sur Vinted. Je vous propose sur Facebook. J'attends de voir si j'ai une intéressée. Je lui dis, écoute, je le mets sur Vinted, donc elle me le prend tout de suite et puis c'est ok. Ça marche très bien. J'ai fait quelques ventes comme ça marche très bien. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question. Il n'y a pas de question. Je vous fais. Alors j'ai lancé une FAQ. Oui, j'ai lancé une FAQ quand même. Alors j'ai très très peu de questions, mais tant mieux. Hein, ça me. Enfin, je me dis après tout, c'est que vous savez déjà tout sur moi puisque je raconte toujours tout. Je m'occupe de répondre aux questions. Je ferai un live sur Facebook pour ça. Non, sur YouTube, pardon. Pardon, je suis fatiguée. Mais c'est parce que j'ai eu une grosse journée. Peu importe, tout va bien. Voilà, je suis à fond, tout va très bien. Je vous ferai un live sur YouTube pour répondre aux questions. J'espère le faire très vite. Je ne sais pas quand. Je ne peux pas vous dire quand, j'en sais rien. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc, je vous ferai peut-être une petite vidéo, ou une petite, pourquoi petite, je ne sais pas, pour vous montrer ce que j'ai gardé avec moi. Je vous pose pas mal de questions sur Facebook. Quand je vous demande, par exemple, selon vous, quels sont les... Vous savez, les punchboards de Wear Memory Keepers, par exemple. J'en ai quelques-unes et je ne vais pas tout garder avec moi, mais je voudrais garder les principales, les plus utiles. Pardon, je suis désolée, j'ai pas encore fait le tri. Le tri, mais bon, je sais que celle des enveloppes, il faut que je les garde. Et de toute façon, c'est une des punchboards que je m'étais dit que je gardais avec moi. Donc, voilà pour ce petit blabla. Voilà, ça fait 8 minutes, ça va faire 9 minutes bientôt. Je pense que c'est plutôt raisonnable. Je tenais vraiment à informer surtout les personnes qui ne sont pas au courant voilà, de mes projets pour bah, que ce soit clair pour vous et que vous ne pensiez pas que je suis méchante et que je réponds pas parce que j'essaie de répondre, hein, mais les commentaires sur YouTube, bon, il y en a quelques-uns, j'ai pas répondu et je ne sais pas si je vais y répondre honnêtement. Voilà, je vous réponds ici. Je vous informe que je ne suis pas disponible pour le moment. Je ne sais pas pourquoi je mets mes mains comme ça, mais c'est voilà, peu importe, c'est pas important. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que pour vous, tout va bien. Et je reviens. Je reviens, je ne sais pas quand, mais je reviens. Oui, je reviens. En tout cas, j'ai une cruelle envie de scraper. Donc ça ne devrait pas tarder. Et bien sur ce, moi je vous dis que je vous kiffe et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.